Ouais. Ah, c'est la garde d'Asselineau. Ah, c'est Dieu. La garde d'Asselineau. C'est vrai que Asselineau. On prend le train. On va juste voir la gare. On leur monte la garde. Tronc d'arbres que vous voyez, c'est tous les vieux arbres pourris qui ont été abattus. Ici, c'était impossible d'entrer. Il n'y avait que les squatteurs. Il y avait des, ils ont trouvé des sangliers, des ours. Alors c'était une zone de soins, de clinique pour tous les officiers russes de la dernière guerre qui restaient presque 70 ans en désaffection, comment pourrait-on dire. Et là on est en train de réhabiliter, Alors ça c'est encore la partie qui devait servir à parquer et réparer les camions parce qu'il y avait des fosses là-dessous. On avait pu se balader là. Ça a encore été un petit peu démoli. Et ça deviendra des garages, je sais pas quoi. Et ici, c'était vraiment la partie infirmerie clinique sur 3 étages. Et tout a été recloisonné, recoupé. On va essayer d'aller regarder s'il n'y en a pas une qui ressemble à ce que c'était à l'époque. Tout est vendu en quelques mois. Ouais. Parce que l'endroit est tellement beau une fois que la verdure sera remise, etc. Nous sommes presque en pleine ville. Je te prends aussi en même temps. Ah ouais, on va aller seulement voir ceux qui veulent monter à l'étage. On va voir, 1, 2. C'est où que tu m'as dit qu'il y avait les noms sur les portes encore? Ah, c'est en haut. Ah, c'est en haut. Ok. Il y a un bel effet de rang. Ça peut servir une maison de repos, tu sais, après les opérations. Allô.
Thank you.